Mulatu Teshome est le président de l'Éthiopie. Il a vécu et étudié en Chine pendant 12 ans et éprouve un grand attachement envers ce pays. Il est le témoin de l'amitié sino-africaine ainsi que l'ami du peuple chinois. Any student of Ethiopia going to China to pursue his education, after graduating and coming back to his country or her country, can be accounted for as a true bridge of friendship between the two countries. En 1976, âgé de 21 ans, Mulatu Teshome est parti étudier le chinois à l'Université des langues de Beijing. Studieux, il pouvait déjà s'exprimer en chinois avec son entourage seulement 6 mois plus tard. Les teachers were extremely helpful. The teachers were not letting us go till we memorized the whole new vocabularies. Our very eagerness to know the culture, the people, and the language that are all very fresh in my mind. Un an plus tard, Mulatu a été admis par la faculté de philosophie de l'Université de Pékin pour poursuivre ses études en licence. Il s'est d'ailleurs réorienté en politique internationale pour y poursuivre un master et un doctorat. C'est ainsi qu'il a posé les bases de son avenir. The overall world outlook is sharpened through the processes which I have passed through. Through reading not only the literatures of the contemporary politics, international politics, philosophy, economics, so on and so forth, but also from the objective realities where we were supposed to live. En 2013, Mulatu est devenu le 4e président de l'Éthiopie et a choisi la Chine pour sa première visite officielle. Quelques mois plus tard, il a réalisé en Chine une visite d'État. Le président chinois Xi Jinping a préparé en son honneur une cérémonie d'accueil et tous deux ont pris part à des discussions. The quest for international peace and security, it is in the interest of Ethiopia, it is in the interest of the People's Republic of China. En 2014, en l'espace d'un mois, une équipe médicale chinoise a opéré plus de 300 personnes de la cataracte. Le premier ministre chinois Li Keqiang et le président Mulatu ont rendu visite ensemble aux patients. En 2015, China Railway Group Limited a construit le premier tramway de la capitale, Addis Abeba, la faisant entrer dans la modernité dans le domaine des transports urbains. Le président Mulatu souhaite renforcer la coopération sino-éthiopienne dans tous les domaines. When it comes to protecting the environment, when it comes to seeking to have economic development, and, to have eradication of poverty, we are in the same line of thought. So these are areas where the two countries can work together.